samedi de ménage. Je viens de passer la balayeuse partout, puis dans le fond j'ai ramassé les jouets des chats que j'avais mis ici pour rempasser partout, et ils ont tout ça de jouets. Fait que là je me dis je vais faire un petit tri, genre les balles comme ça je vais en enlever une, des petites balles qui font du son il y en a genre 4, fait que je vais en enlever 2, les cannes à pêche honnêtement je vais en enlever 2, puis sinon je sais que les petits springs comme ça, il y en a 2, ils les aiment vraiment, les balles aussi, fait que ça je vais leur laisser, mais ça ici je vais venir les ranger là-dedans, puis je pourrais les sortir là. Un moment donné, c'est bien comme ça, ça rentre bien là. Fait qu'on est rendu samedi, il est 3h-10. Ça a été une journée vraiment relax jusqu'à présent. Je vous ai pas parlé hier finalement de notre soirée. Revirement de situation. Quand Vic est arrivé, j'étais déjà en pyjama, j'avais pris ma douche. J'étais moyen donc de ressortir de la maison puis d'aller au resto. Puis le spa, j'ai proposé que justement on le fasse une soirée la semaine prochaine pour genre faire 2 dates différentes puis aussi avoir le rabais étudiant. Fait qu'on a tout simplement décidé de se commander de la bouffe sur Uber Eats puis on a commandé de l'indien. C'était tellement bon, c'était du poulet au beurre avec des pains naan et du riz, vraiment basic comme repas indien. Vraiment trop tasty, ça faisait full longtemps que j'avais mangé ça. Je me rappelle pas où est-ce qu'on a commandé là, mais pour vrai il y a plein de choses sur Uber Eats qui sont toutes vraiment bien notées. Sauf que là, on a commandé une première fois, ça a pris peut-être 45-50 minutes au moins avant d'arriver. Puis là, en allant voir comme où est-ce que le livreur était rendu, on s'est rendu compte que c'était l'adresse de notre ancien appart. Dans le fond, Vic avait changé, mais on dirait que ça a comme pas marché. Ça a comme pas enregistré ou je sais pas. Fait que là, ça envoyait à notre autre adresse. Fait que finalement, on a réussi à se faire rembourser. Puis on a recommandé une deuxième fois, mais ça a été vraiment long. Fait qu'on a finalement mangé à genre 9h15, 9h20, genre. Fait qu'on a mangé ça, ça a été vraiment taste. Puis on s'est couché pas longtemps après, les deux on était vraiment dead, donc on a eu une foule de bonnes nuits de sommeil. Vraiment relax ce matin, je me suis réveillé vers 10h je pense. J'ai resté dans mon lit jusqu'à 10h30 à peu près. Après ça je me suis levé, j'ai fait du montage. Cet après-midi ça a été le petit ménage comme je vous ai montré. Fait que là au moins, c'est tout beau, tout clean. Faudrait que je me motive et que j'aille au gym, mais ouf, pas vraiment envie d'y aller. Je sais qu'après ça je serais content que ça soit fait. C'est juste d'y aller. Parce que sérieux, c'est vraiment une journée grise, pluvieuse, ou comme j'irai dans mon lit et je calisserai rien toute la journée. Mais faut quand même profiter de la fin de semaine. Je pense qu'ils annoncent aussi ça demain, là. Je m'en allais au gym et comme je suis arrivé en bas, le livreur Amazon arrivait avec le support de la télé. Fait qu'on va installer ça. Ça a l'air assez simple. Il y a les deux bords comme ça. Que ça va genre. Tu les mets où tu veux en fait. Ben non, ici il y a des vis, gars. Là, puis il y a des vis. J'ai les vis, mais on me les a donné. Tu mets les vis dans le trou. C'est ici, là. Non, non, non. Enfin, en tout cas, ça va là-dessus. Puis après, ça se clip sur le rack. Rack qui est ici. Changement de plan. Finalement, on n'a pas installé le rack pour la télé parce que dans le fond, on sait pas dans le mur qu'est-ce qu'il y a derrière. Fait qu'on veut pas comme planter ça n'importe où puis genre pogner quelque chose qu'il faudrait pas. Fait qu'on a comme. Quoique, c'est le mur entre le salon puis la chambre. Fait que logiquement, il doit y avoir grand chose qui passe là. C'est comme un vraiment pas gros mur. Mais pour être certain, on a commandé un truc sur Amazon pour genre détecter qu'est-ce qu'il y a derrière le mur. Puis tu sais, on le retournera par après là. On peut le rembourser tout simplement. Mais au moins comme ça, on va s'assurer qu'on peut comme planter ça là. Puis tu sais, idéalement, il faudrait qu'il n'y ait pas juste le petit mur, mais comme un poteau de bois derrière là. Fait qu'on a commandé ça. Puis ça devrait arriver demain. Fait que peut-être qu'on va installer ça demain. Sinon, au gym, ça a full bien été. J'ai fait une demi-heure de muscu et 20 minutes de cardio. J'ai fait de l'elliptique. J'avais comme jamais pensé à en faire vraiment. Puis pour vrai, ça a full bien fait. Ça a quand même passé vite. Puis ça fait différent du vélo. Parce qu'honnêtement, je suis un peu tanné du vélo. Fait que ça fait changement, ça fait mon cardio quand même. Puis ben là ça va être relax. Puis là évidemment à chaque fois qu'on vient dans notre lit, on a un petit monsieur qui vient se coller. Hein? Petit monsieur Tana. Et update de ma fesse, ma fameuse fesse qui faisait mal après la course.
J'ai vraiment moins mal que j'ai eu mal les autres lendemains de course, mettons, dernièrement. Fait que vraiment bon signe. Faudrait d'ailleurs que je refasse la balle avec les points de pression aujourd'hui, que je la fasse tous les jours parce que je pense que ça a aidé, d'après moi. Puis pendant que je faisais l'elliptique, j'avais vraiment pas mal. Fait que je pense vraiment que c'est le mouvement de comme quand je dépose mon pied puis que je le relève là, quand je cours, je pense que c'est ce qui me fait mal. Parce qu'avec l'elliptique en 20 minutes, j'ai jamais eu mal. Puis tu sais, c'est quand même un mouvement qui ressemble à la course. Mais ça allait bien. Fait que je pense qu'on est sur la bonne voie. Allô? Ça fait longtemps qu'on t'a vu dans les vlogs d'ailleurs. C'est vrai. Parce que je on te voyais par-ci par-là, mais pas tant. T'es souvent pas là les soirs. Mais parce que je suis tout le temps à job. Tout le temps équipé. T'es un gars équipé, bien équipé. Il est présentement dimanche. On est présentement dimanche. Il est présentement 14h30. Petit dimanche très relax, très slow. Dimanche de pluie. Ah, je pensais qu'il était sur cette rue-là, le truc. Prank. On est rendu là. C'est rien que ça qui est lent là. C'est ici. Faut que tu à la droite. Ah. Ouais, parce que là-bas, il n'y a rien. Donc ce matin, ça a été très relax. On a dormi un peu. Je me suis levé. J'ai fait une commande de linge. Je me suis commandé des jeans parce que j'en veux. Puis dans le fond, j'ai regardé sur le site de Hollister. Toutes mes jeans presque viennent de là. Puis j'ai dit depuis comme. Il y en a que j'ai depuis le secondaire puis ils sont encore en super bon état. Fait que je me suis dit, je l'ai recommandé de là. Je connais mes grandeurs, je connais mes modèles et tout. Puis il est en spécial. Il y avait genre 50% sur pratiquement toutes les jeans. Fait que j'ai commandé 3 paires de jeans, ça m'a coûté 83$. Ce qui est vraiment pas cher. Fait que ça devrait arriver au courant de la semaine prochaine. Sinon, ce midi, j'ai lu un cas qu'on pensait faire en équipe aujourd'hui, mais finalement, on va plus la faire comme cette semaine. Juste me remettre dedans. J'avais commencé il y a comme 2 semaines, mais ça faisait un bout. Fait que tu sais, juste relire ça, me remettre dedans pour cette semaine. Puis là, on cherchait de quoi à faire. Parce qu'on voulait faire de quoi ensemble, hein? Mais. Il n'y a pas grand chose à faire parce qu'il fait froid et qu'il pleut. On a regardé au cinéma, mais c'est genre encore Barbie qu'on est allé voir déjà. Sinon, il y a le truc de Taylor Swift qui est comme pas tant dans mes intérêts. Il y avait un truc de film d'horreur, pas tant dans mes intérêts non plus. Fait qu'on a choqué le cinéma. Puis ce qu'on va faire, on s'en va get des bubble tea. Rien de moins. Puis après ça, on va aller faire une épicerie rapido parce qu'on va manger de la fondue pour souper. Lui, s'en va-tu? Ah, oh, ce serait parfait ça. Est-ce que vous partez? Bon, je sais pas. Mais je pense que oui, il rembarque dans la chambre. Mets ton flash par contre à droite. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, on s'en va à l'épicerie acheter de la fondue parce qu'on va manger de la fondue en écoutant OD ce soir. Donc ça va être trop tôt, j'ai le goût de manger ça, puis ça va faire comme une activité. Étant donné qu'il y a pas comme. Est-ce qu'il s'en va, non? Oui, il s'en va. Étant donné qu'il n'y a pas tant de trucs à faire, ben, on fait ce qu'on peut. Donc là, on arrive au bubble tea déjà. Alors, nous voici de retour au vlog de Victor et Marc-Antoine. Alors, on a choisi des milk, puis c'était à la strawberry. Mais là, normalement, eux au lait ici, ils viennent pas avec les boules de la tapioca, tandis ouais. Que dans notre ancienne appart, on n'a pas trop compris. On n'a pas trop compris. Mais on a compris qu'il fallait bien le brasser. Et on dit ça? Ben, tout le temps, on a. Parce que dans le fond, on n'est pas des grands habitués de bubble tea. Ceux qui avaient à l'autre appart, comme Vicky a dit, c'était vraiment juste au lait avec des saveurs, puis genre les bulles venaient avec. Vraiment pas plus compliqué que ça, parce que c'était plus un resto qui offrait ça qu'un truc de bubble tea, genre. Sauf qu'ici, c'était vraiment spécialisé, puis on prenait littéralement rien des sortes, genre. Fait qu'on a essayé, je pense que c'est ce qu'on prenait à l'autre, parce que ça disait milk, strawberry, je sais pas quoi, puis c'est que les deux caissières parlent en anglais. Fait qu'on a fait ce qu'on a vu. On y va? Ouais, c'est de la gin meilleure que l'autre affaire, full crémeux, genre. Ouais. Puis les bulles sont meilleures. Vas-y, t'as au sucre grain, je pense, hein? Je pense que oui. Oh, meilleur. C'est aussi 20$ pour deux. Il fallait que ça soit bon. Là-bas, je pense que c'est comme 6$ pour un ou 8$. C'est vraiment bon, par contre. Portefeuille, ça, vraiment. C'est moi qui ai payé. Idiot. Mais là, on s'en va où? Maxi. Acheter les trucs pour la fondue. Maxi Vibes and Maxi Vibes Only. On va prendre une portion de recueil.
portion. Yay! Wasman Tebi. Pas, j'ai un petit bon chum puis je mets du gaz dans son char. On se calme. We're back. Ça a vraiment été efficace, nos commissions. On était parti même pas une heure. Puis on s'est rendu au maxi qui était pas à côté non plus. C'est vraiment, comme je vous disais, les essentiels pour la fondue. Fait que brocoli, parce que moi, la fondue, ça prend du brocoli. Un paquet de poulet ainsi qu'un paquet de bœuf. C'était le dernier paquet de bœuf. On a pris deux fromages comme ça. Les Saputo mozzarella, c'est les préfabriques. Puis dans spécial, à genre même pas 5$ chaque, mais on en a pris deux. Le bouillon. Oups. Canton, on a pris bœuf et oignon pour notre fondue. Et Vic s'est pris des yeux de fumée. Écœurant, ben raide. Not the vibe. C'est peut-être super bon, mais j'ai jamais goûté parce que ça m'écœure. Je suis comme dédaigneux de ça. Donc ça a vraiment juste été ça. Dans le fond, ce qu'on a besoin pour souper. Puis là, on a reçu notre truc Amazon qu'on a commandé. Ici, il faut pas rien mettre parce que tout ça ici, c'est du métal. Comment tu sais? Ben, ça le dit. Ouh. Check. C'est 100% du métal à 1 cm d'ici, là. Ah, c'est du métal? Non, mais je l'ai mis sur mode métal, moi. Ah, ok. Puis ici aussi. Ici, tu vois, il est à 5 cm de profondeur. 5, ok, là. Mmh. Avant de pogner le métal. Mmh. Huh. C'est quand même cool. Il est pas loin. Tu comprends, mais ici, mais là, je vais chercher du bois. Je crois qu'il y a pas de bois, la caméra. Il y a pas de bois. Oui, il y a du bois nulle part ici. On veut pas que ça soit là, parce que ici, ça va cacher ça. Ça sent dans en bas, là. Pour ça, le métal. Encore une fois, changement de plan pour notre sport à télé. J'ai écrit à l'administration pour savoir si on pouvait comme faire ça nous-mêmes ou s'ils devaient venir nous le faire. Puis si on pouvait le faire nous-mêmes, est-ce qu'on peut le mettre n'importe où? Est-ce qu'il y a des genres places que c'est conseillé de pas le faire? Parce que là, quand ça bipait pour le bois, ça bipait aussi pour le métal. Fait qu'on sait comme pas trop si c'est supposé être ça. On sait pas trop. On veut pas comme foutre la merde non plus. Fait qu'on va attendre, c'est pas plus grave que ça, ça presse pas tant que ça non plus. Là il est rendu 6h-10, puis on va commencer. Ça sent l'écœur, hein? Ah, super bon ça. C'est rempli de potassium, calcium, fer. C'est juste trop bon ça. Mm-hmm. Mais le plus important c'est que c'est vraiment savoureux. Mm-hmm. Tu veux goûter? Non. Pourquoi? Ça m'écœure. Fait que 6h-10, on va commencer le souper tranquillement. Patate, brocoli. Ça n'a rien à faire en soi, c'est juste. Dans le fond, il faudrait que ça dégèle. Mais les patates, c'est quand même long. Patates au four, puis couper le brocoli. Parce que. Au four. Moi, j'ai des patates au four, j'ai pas des patates pilées. Avec de la fondue, c'est des patates au four. Comment? Que tu crises dans le four, puis tu le fais chauffer. Et tu l'enroques de l'aluminium? Ouais, mais c'est parce que j'ai fait un fryer. Fait que c'est ça, parce qu'on va écouter OD en même temps qu'on va souper, puis qu'on veut qu'il soit prêt à 6h30. Donc, comment. Quoi? Tu parles comme un présentateur des fois lorsque t'es youtubeur. Mm-hmm. Tu changes avec ça. Je change pas avec ça? Oui. Mais non. Oui. Mais non, j'ai juste plus d'entrain. Fait que on va regarder pour le. Je parle juste plus fort en fait. Non. Ça c'est vrai. Parce que ça, des fois, dans les vlogs, on t'entend pas. Parce que ça va pas assez fort. Les patates au four, je vais regarder si ça marche dans le air fryer, s'il faut comme du papier d'aluminium, qu'est-ce qu'il y en a. Ou du papier parchemin. Non, sûrement pas. Et hop les amis, nous voilà en train de verser le bon bouillon bœuf et oignon pour la fondue. J'espère que vous avez autant de plaisir que moi, j'en ai à verser. Là, je m'excuse si c'est pas complètement bien zoomé là, mais j'ai pas l'habitude d'être youtubeur. J'ai fait de mon mieux.